On recommence. Difficulté technique. Désolée. Alors, en français, bienvenue pour la première lancée de la collection Entrepôt naturel à la galerie DI Gallery à Saskatoon. Merci beaucoup d'être ici. Je suis très excitée de vous avoir et de présenter un tour virtuel et ma vision de la collection et de l'environnement à travers mon art et la photographie. Alors, pour commencer, je vous présente la conservatrice Monique Martin. Elle a une introduction assez courte à nous présenter. Bon, nous avons des difficultés techniques du son. Nous avons des difficultés avec le son. Est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, confirmer que j'ai du son? The curator of the Eye Gallery, and I'm hanging up the last of Ellie's pieces for her exhibition here that is on until December 31st. I selected Ellie for an exhibition here because I was really intrigued with her Lily pieces in that they show the uniqueness of each individual flower, and that not every flower is the same. And we tend to look at a species of flowers and go, oh yeah, they all look the same, but they are all quite individual. And so I was very intrigued by this piece and invited her to exhibit here. I hope you get a chance to come out and see the work or see it online. Thanks. Présentation et pour la patience dont tu as fait. Tout d'abord, j'aimerais souligner que nous sommes situés sur le territoire du traité numéro 6 et la patrie des métiers. Monique, merci beaucoup pour cette présentation et pour la patience dont tu as fait preuve à mon égard ces 4 derniers mois alors que je préparais ma toute première exposition solo dans une galerie d'art. Je suis tellement reconnaissante d'avoir l'occasion de lancer officiellement la collection Entrepôt naturel au grand public. Lorsque j'ai commencé la photographie, je voulais documenter l'état actuel de l'environnement pour la postérité en raison du changement climatique. Mais 10 ans de travail à l'extérieur dans le domaine et de la foresterie et de l'environnement ont radicalement changé ma perspective. Les plantes et les animaux sont devenus des individus avec des pensées, des émotions, un but dans la vie et même des fois une conscience. Ils ne semblaient plus si différents de nous et j'ai commencé à expérimenter avec différentes façons de démontrer ces similitudes en utilisant la photographie et l'art. La collection Entrepôt naturel dans son ensemble est donc ce que j'appellerais un essai photographique de nouveau journalisme. En racontant l'histoire vraie du monde naturel
Comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre, j'ai incidemment créé des personnages fictifs et je les ai placés dans un environnement scénique non fictif. Les acteurs sont présentés dans les séries Personnalités florissantes et Portraits sauvages, où j'ai utilisé l'anthropomorphisme pour mettre en évidence leurs ressemblances humaines. J'ai également expérimenté avec la visualisation de leur comportement comme étant des mouvements de scène en utilisant des installations agencées comme une bande de film négative dans la série Dynamisme. Enfin, cette exposition comprend également des pièces dans la série Exploration scénique, dans laquelle j'ai dépeint les conditions environnementales difficiles dans lesquelles les acteurs vivent. Elle comprend donc toutes les installations de paysage et les pièces panoramiques qui, ensemble, agissent comme une toile de fond théâtrale et placent les personnages sur la scène. Avant de partager avec vous cette courte histoire à travers une visite virtuelle de la galerie, j'aimerais mentionner que j'ai placé les pièces de manière stratégique dans l'espace afin d'améliorer l'expérience narrative. J'espère également que les personnages que vous voyez ici vous feront penser à vous-même et que vous remarquerez les similitudes entre les plantes, les animaux et les êtres humains, car nous sommes comme eux. Ni supérieurs, ni séparés de la nature, nous faisons tous partie du même monde et chacun s'efforce de survivre et vraiment de tirer le meilleur parti de la vie. Et j'essaie vraiment de démontrer ça particulièrement dans cette pièce que vous voyez ici, le dynamisme 2, les hauts et les bas de la maternité. Voyez-vous, la séquence de haut en bas donne l'impression que l'acteur est en mouvement parce que ça ressemble à un négatif de film. Et donc, le chevreuil femelle que vous voyez ici est en fait une mère qui allaite deux jumeaux. Et ce que j'essaie de représenter ici, c'est que elle mange des restants de repas très peu alléchants, des plantes de milieu humide. Et elle se sacrifie dans un sens pour faire sûr que ses jumeaux ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour s'ouvrir et qu'elles n'hésitent pas du tout à se sacrifier elles-mêmes pour justement leur donner le meilleur. Alors, quand vous continuez dans la galerie, je voudrais juste vous démontrer ici qu'il y a des personnages de la série Personnalités florissantes. Alors, à gauche, vous voyez les acteurs mélodramatiques, une pièce que je trouve assez drôle moi-même. En fait, ce que je vois ici, j'utilise l'anthropomorphisme pour recréer une pièce de Shakespeare où la fiancée qui se jette aux pieds de son fiancé qui s'est fait tirer avec une balle de pistolet et qui tombe à sa mort et qu'elle pleure et se lance, se jette à lui pour un dernier baiser. Alors j'essaie vraiment de placer les acteurs sur une scène
Et ce que j'essaie de démontrer, c'est que les plantes et les animaux sont des individus, tout comme nous, qui sont des acteurs dans le film de la nature, de notre environnement. Et le background de cet environnement-là, comme un exemple est ici représenté avec la pièce L'appel du soir. Alors, c'est un coucher de soleil avec des étoiles en haut, qui sont un peu difficiles à voir, mais cette pièce-ci, voyez-vous, elle représente vraiment le pièce de fond, le fond de toile du théâtre dans lequel les acteurs interagissent et ce qui rappelle que les acteurs sortent la nuit justement pour interagir avec leur environnement. Et avec la pièce ici intitulée Individualité, j'essaie vraiment de démontrer que chaque individus, malgré qu'ils soient tous dans la même, qu'ils font tous partie de la même espèce, donc ici vous voyez c'est le lys rouge de l'Ouest, et ils font tous partie de la même espèce, mais ils sont tous différents, c'est des individus. Alors tout comme les humains, nous faisons tous partie de la même espèce, malgré les cultures, nous avons des traits faciaux différents, un ton de peau, des formes de visage, des figures différentes. Alors, c'est pareil pour les plantes, pour les animaux. Et puis, vous voyez vraiment la différence ici, la forme des pétales, la couleur des pétales, des fleurs. Vous voyez, il y a des points noirs, il y a des points bruns, il y en a qui n'ont pas de points du tout, comme le lys jaune en haut à droite. Et chaque fleur est un individu séparé de la fleur à côté d'elle. Et on ne remarque généralement pas ça si on ne porte pas attention. Et j'essaie vraiment de démontrer l'individualité de la nature. Ici, j'essaie aussi de refléter à quel point la nature est volatile, change constamment. Alors, à votre gauche, vous allez aussi voir d'autres acteurs. Vous avez des modèles. Vous avez une femme dans son lit. Ici, à gauche, vous aurez une réunion de famille, des touristes au musée et une modèle qui prend la pose. Et de l'autre côté, ici, du mur, vous voyez la pièce Résilience sur toile. Et c'est pour. Donc, ça contraste les acteurs dans leur environnement. Et ici, avec cette pièce que j'adore, en fait, j'ai vraiment, c'est de la photographie, mais je l'ai travaillée de façon à ce qu'elle ressemble vraiment à une toile de canevas et que ça a été peinturé à la main. Vous allez voir les détails bientôt. Mais ce que j'essaie vraiment de ressortir ici, c'est les conditions difficiles de la vie. Et à quel point la vie peut être résiliente et elle peut continuer et grandir dans les conditions les plus extrêmes. Il y a un feu, ici voyez-vous, c'est le lac Namibin, et puis il y a eu un feu de forêt, et vous voyez maintenant la roche sur laquelle les arbres poussent, n'aurait pas été évident sans le feu qui a nettoyé la végétation. Maintenant, ça révèle vraiment tous les détails des conditions de vie de ces arbres. Vous voyez les cracks dans lesquels les arbres poussent sur une pente très, très abrupte. Il n'y a presque pas de nutriments, presque pas d'eau là-dedans, et puis c'est des conditions complètement difficiles à vivre. Et ensuite, de l'autre côté, vous voyez les animaux, un autre portrait, un portrait sauvage ici, c'est un grand-duc d'Amérique, et lui, il reflète vraiment les conditions, la réponse d'un individu à des conditions de vie aussi arides. Si vous prenez le temps vraiment de remarquer, il est en colère. Il est pas content, il pleut, il y a des mouches dans ses yeux. On le laisse tranquille. Et moi, personnellement,
Je me vois vraiment dans cette pièce parce qu'avoir travaillé dehors, en foresterie, en environnement, je comprends tellement bien. Après avoir passé une journée dans la pluie, la patience est à son bout et vraiment les mouches, plus capables. Laissez-moi tranquille à ruminer dans mon coin et c'est ce que cette pièce vraiment communique. C'est la réponse des animaux aux conditions de vie et pareil que qu'est-ce que nous on ressentirait aussi. Alors, c'est des animaux, des individus qui sont très similaires aux humains. Ils ont des réponses équivalentes à qu'est-ce que nous on vivrait dans les mêmes conditions de vie difficiles. Et la pièce ici que je démontre qui s'appelle Un air de ténacité inébranlable, vraiment parle de la force mentale que les animaux doivent avoir pour habiter dans un environnement difficile comme ceux-là. Et même si la pièce reflète vraiment un environnement paisible, il y a aussi beaucoup de solitude, il y a beaucoup de... C'est un désert, il n'y a rien, c'est des arbres brûlés, morts, mais il y a quand même de la vie. Vous voyez un aigle à tête blanche perché sur l'arbre, et puis même si les conditions sont impossibles, la vie continue. Et ils ont trouvé la façon, ils ont la ténacité mentale de faire qu'est-ce qu'il faut, puis qu'est-ce qui est le meilleur pour l'espèce, pour endurer et pour persister dans n'importe quelle condition de vie que la Terre-mère va lui lancer. Et pour finir, et rapidement, vous voyez d'autres portraits sauvages à gauche, un esprit de guerrier vraiment qui reflète la force que ces animaux ont de faire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Au bout du compte, c'est la survie, c'est la seule chose qui compte et je trouve que cette pièce vraiment exprime ça de façon assez unique. Et donc, esprit de guerrier, vous voyez un aigle à tête blanche juvénile ici avec les épaulettes. Et voilà un wapiti qui, lui, fait aussi qu'est-ce qui doit être fait pour l'espèce, c'est-à-dire qu'il surveille les environs pour le troupeau, pour la sécurité, pour la survie de lui-même et de sa famille. Et bref, dans un sens, c'est exactement ce que tout le monde, tous les humains feraient, c'est premièrement la survie pour soi-même, deuxièmement la survie pour la famille immédiate, ceux qu'on aime, et troisièmement pour l'espèce. Et ensuite, nous allons nous focusser sur l'environnement, mais l'espèce et l'individu est toujours primordial. Alors, j'essaie vraiment de communiquer tout ça avec ma collection pour vraiment faire ressentir les similitudes entre les animaux, les plantes et les humains. On est tous des organismes vivants. On habite sur la même terre, dans le même écosystème global et notre but dans la vie est tous le même, de vraiment faire le mieux pour la survie de l'espèce au travers des années et des ères. Avant de terminer, j'aimerais également annoncer que je ferai don de 5% de ma part des profits générés par cette exposition à la Légion de Birchills. Les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles pour tout le monde à cause du coronavirus, mais spécialement pour les vétérans qui ont eu de la misère à garder leurs portes ouvertes.
pour des raisons financières. Et le jour du souvenir qui s'approche à grands pas, je tiens donc à les remercier du fond de mon cœur pour leur service et leur sacrifice. Je vous invite donc à me joindre pour leur rendre hommage avec un morceau de musique du Prince Albert Highlanders Pipe Band qui s'ensuivra avec une minute de silence. Merci. Et pour terminer, j'aimerais sincèrement remercier Monique Martin, la conservatrice. Merci. Merci. Et pour terminer, j'aimerais sincèrement remercier Monique Martin, la conservatrice, pour sa patience, son mentorat et son aide précieuse, sans qui je n'aurais jamais pu compléter ce projet. Il en va de même pour toutes les personnes qui m'ont aidée. Ça inclut Steve, Mireille, ma mère, Louise et Claude, mes grands-parents, ainsi que tous mes amis, et Pat, spécialement Pat Bliss, Russ, Guy, Ashley et sa famille, et les musiciens qu'on a vus dans la vidéo de Prince Albert Highlanders Pipe Band, qui sont aussi des amis évidemment, donc Dave Monette, Michael McLaughlin et Gary Greenshields. Un gros merci à tout le monde. Donc, ceci met à terme la réception d'ouverture pour la sortie de la collection Entrepôt Naturel qui est présentement exposée à DI Gallery. J'aimerais donc vous inviter à la visiter en personne ce mois-ci, en novembre et en décembre, pour apprécier les pièces de plus près. Et restez alerte aussi parce que je planifie ajouter à cette collection dans les prochaines années. Pour ceux qui souhaiteraient donc rester quelques minutes de plus, l'artiste, moi-même,
Je serai donc disponible pour une session de questions et réponses en direct. Sinon, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye! Alors, bonjour! Désolée pour les difficultés techniques. J'espère que vous avez aimé le broadcast et que vous avez peut-être des questions si vous restez. Alors, je suis à l'écoute. Je suis sur le chat et sur mon téléphone. Si vous avez des questions, je peux les répondre. Je suis prête. Alors, on a eu une question, on a demandé si c'était live ou préenregistré. Je dois avouer que ça a été un peu préenregistré et que les difficultés techniques ont été reliées à l'audio. Alors, je suis désolée encore une fois. Vraiment, j'ai pas mis les bons settings sur chaque segment et j'ai dû les updater à chaque segment. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un glitch entre les segments. Alors, je suis vraiment désolée pour ça, mais j'ai appris tout, c'est comment gérer un événement live en 4 jours. Alors, j'ai tout enregistré en 4 jours, j'ai tout préparé en 4 jours et le gros de la job s'est fait aujourd'hui aussi. Alors, ça a été vraiment un challenge de gestion de temps. L'événement est allé à la galerie. Tous les cas sont allés à la galerie lundi. Alors, j'ai eu vraiment 3 soirs de semaine plus une journée off aujourd'hui pour vraiment préparer tout l'événement virtuel en ligne. Et ça a été tout un challenge d'apprendre comment faire ça sur YouTube, comment utiliser un software, un encoder software en français, je ne sais pas c'est quoi. Et puis, comment être capable de live streamer. Ça a été une journée de difficultés techniques. Honnêtement. Alors, désolée, j'ai fait de mon mieux et la prochaine fois, je vous promets que ça va être meilleur. Je suis très reconnaissante pour tous les beaux commentaires que j'ai reçus à date. Merci beaucoup tout le monde. Je suis contente que vous vraiment, que vous aimez le travail que j'ai mis. J'espère que vous aurez la chance de le voir en personne, même si je sais qu'il y en a qui sont trop loin pour le faire. Mais au moins, je vous donne l'opportunité d'avoir une idée qu'est-ce que ça a l'air. Merci d'être ici, puis de le regarder, puis de m'encourager. Alors, je crois qu'on va terminer. Il n'y a pas de questions. Je vais donner un autre 10 secondes, 30 secondes. J'ai une question aussi. D'où vient à la base cet Internet pour la photographie? Intérêt pour la photographie. Excusez, l'Internet. Donc, l'intérêt pour la photographie. Je crois, ça a été vraiment, quand j'ai déménagé à Edmonton, j'avais quoi, 20 ans, j'ai découvert vraiment comme la beauté de la nature, juste dans les parcs municipaux à Edmonton, puis je me promenais, puis j'avais juste vraiment l'impression, j'ai juste été poussée de commencer, de prendre une caméra, puis à prendre des photos, je me souviens de vraiment emprunter celle de mon coloc, puis de me promener au parc, puis de commencer à prendre des photos, puis de commencer à les travailler sur le software, puis de vraiment adorer ça, puis de vouloir recommencer. Donc, je pense que ça a été un an après que je me suis acheté ma première caméra. Je peux pas vraiment dire pourquoi la photographie comme telle, j'ai juste été comme vraiment attirée, puis je me suis donné la chance de l'essayer, puis j'ai vraiment adoré ça. Alors,
Je peux pas dire beaucoup plus que ça. J'ai juste été vraiment attirée et poussée à l'essayer, vraiment. Comme que je disais dans mon introduction, je pense que ça a été... Je trouvais ça tellement beau que je voulais documenter toute la beauté autour de moi à ce moment-là. C'est pour ça la photographie, je pense. Je suis une personne qui est assez techie. Je sais qu'il y en a comme mon frère Christopher qui va dire le contraire. Je suis généralement une personne qui est capable de figurer la technologie assez bien. Mais fait que je pense que la photographie, ça tombe dans mes cordes à cause de ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va terminer. Est-ce que ça a influencé mon choix de carrière? Donc, mon choix de carrière, je travaille en géomatique. La géomatique, c'est un... J'utilise des softwares de systèmes d'information géographique qui utilisent beaucoup de photos aériennes pour faire des analyses géospatiales, donc basées sur la géographie, et des analyses aussi avec les photos aériennes. Je dois dire que pas du tout. En fait, ça m'a... Ça, j'ai pas vu le lien. Je sais que les deux, c'est la même chose. J'ai pris des cours à l'université en géomatique, puis en photo aérienne, puis j'avais remarqué à ce moment-là, je dirais que les deux m'ont aidé. D'apprendre la photographie m'a aidé à apprendre la géomatique, puis la géomatique m'a aidé à comprendre la photographie, puis ça m'a vraiment juste développé de cette façon-là, de façon réciproque, mais ça n'a pas vraiment influencé mon choix de carrière, non. Je pense que... Non, pas du tout, en fait. Je pense que ça répondra à la question, ça. D'autres questions? De rien. Alors, j'ai une personne ici qui dit merci pour la réponse aux questions. Alors, pas de problème. Je pense que on va terminer ça ici. Vous pouvez toujours me contacter sur ma page Facebook si vous avez d'autres questions. Et merci encore beaucoup pour être ici et participer à l'enregistrement. Oh, excusez, la photo dernière mois. Une question de plus. La photo dernière mois, elle va monter à la galerie très bientôt. C'est la dernière pièce qui reste à monter, en fait. Il y a eu des difficultés avec ça. Donc, ce qui arrive en gérant un gros projet, parce qu'en fait, 20 des 22 pièces que vous avez vues dans le tour virtuel, c'est des nouvelles pièces qui ont toutes été créées cette année. Donc, j'ai signé le contrat en juillet et j'avais commencé à travailler les photos au mois de juin, par chance. Mais donc, j'étais capable d'incorporer les photos de juin dans l'événement ici. Mais ça n'a pas... J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de photos aussi pendant l'été pour être capable de finaliser... de travailler la collection de la façon que je voulais la présenter pour cet événement-là. Alors, la photo dernière mois, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une gestion de projet assez grosse comme ça, parce qu'il y a quand même 25 ou 26 cadres, ça, c'est des photos panoramiques qui demandent quand même assez beaucoup de travail. Ça me prend environ 4 à 6 heures à travailler une photo comme ça pour faire sûr que la qualité est vraiment bonne. Puis que ça l'imprime de façon correctement, puis à la qualité au niveau qu'il faut pour être qualifié d'une photo d'art, pour être qualifié d'art. Alors,
J'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures à travailler toutes les pièces, en plus du fait qu'il fallait les envoyer. Des pièces de cette taille-là, qui sont 20 pouces par 55 pouces, sont assez énormes, sont aussi grandes que moi, honnêtement. Aussi longues que je suis grande. Et puis ces photos-là doivent être envoyées à comment on appelle ça en français? Un laboratoire d'impression. Donc, eux autres, ils le font professionnellement. J'ai une imprimante ici pour le faire. Mais toutes les photos qui sont plus grosses que du 9 par 16 pouces, donc le format panoramique standard, toutes ces photos-là doivent être envoyées au laboratoire d'impression parce que j'ai pas l'imprimante pour le faire. Donc, ces photos-là, si vous allez remarquer, sont un petit peu plus chères, mais c'est parce qu'ils sont imprimés par le laboratoire. Ils utilisent aussi un papier qualité archivale et de l'encre qualité d'archival. Donc, la qualité d'impression est vraiment plus élevée que ce que je suis capable de produire dans mon studio à la maison aussi. Donc, la qualité augmente. C'est des photos giclées, en fait. Donc, du fine art, des photos fine art, d'art fin. Excusez la mauvaise traduction. Et cette pièce-là ici, en fait, elle s'appelle la levée du rideau. Parce que voyez-vous, si je vous montre, ça c'est un rivage, c'est une photo que j'ai prise à partir du lac. Et puis, ça montre à quel point la végétation crée un mur d'un côté. C'est un mur de végétation. Puis, quand tu es sur le lac, tu essaies de voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais qu'il y a des animaux sur le rivage, mais vont-tu être là? Tu veux-tu les voir? Il y a des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Puis on voit un petit peu, le rideau se lève ici, de ce côté-là, et on est capable de voir qu'est-ce qui est vraiment caché en dessous du rideau. Donc je l'ai appelé la levée du rideau parce que ça va dans le thème de la série des explorations scéniques, donc le background de fond théâtral. Mais aussi parce que ça enlève, avec la collection, j'essaie d'enlever l'air de mystère, puis de révéler qu'est-ce que la nature vraiment, comment la nature vraiment est dans son élément, dans son élément actuel. Alors, les individus qui sont eux-mêmes, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils réagissent comme vous et moi, en fait. Alors, cette pièce-là, levée du rideau, qui va être montée à la galerie ASAP, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des difficultés avec l'impression puis la qualité. Alors, elle est arrivée un petit peu plus tard, elle était encadrée un petit peu plus tard, et elle doit être montée à la galerie un peu plus tard. Essentiellement, c'est pour ça qu'elle est ici, mais ça a été un bon timing, puis je peux l'utiliser comme background. Parle beaucoup. Alors, il y a un peu de délai entre le live broadcast puis moi. Alors, j'attends patiemment que vous finissiez d'écouter la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est un peu à court de temps de toute façon, alors je vais terminer ça maintenant. Merci encore beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou par téléphone. Si vous avez mes contacts, envoyez-moi un email, un message sur Facebook, n'importe quoi. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Alors merci encore beaucoup pour être ici puis m'encourager et faire partie du live broadcast. Et je vous souhaite une excellente soirée et on se reparle très bientôt. Bye bye.